Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Me revoilà tout de suite, donc jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve, pervers, non perverse, sage, non sage. Alors, j'ai fait un texte, une poésie, une petite poésie que j'ai écrite, un petit peu plus longue. Là, c'est sur, je vais aborder la question de la moquerie. Qu'est-ce que j'en pense? Donc voilà, je vais aborder la couleur, comme disait Gilles Deleuze, à partir, parce que depuis que je dessine maintenant, je commence un peu à connaître la couleur. Donc comme ce que j'avais dit, de toute façon, ah bah, mon portable sonne. Comme ce que je disais, c'est que ma couleur préférée, enfin ma couleur prédilective, on va dire, parce que ce n'est pas une couleur, c'est le noir. Donc voilà. Donc je vais essayer d'aborder de ce que j'en pense de la moquerie. Donc j'ai fait une petite poésie pour répondre aux idées plagiat. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vais aborder la couleur patate, comme il disait Gilles Deleuze. Donc ben, je me suis fait, mais en noir là. Donc voilà. En plus noir, on va dire. Je sais pas si ça me ressemble vraiment, mais j'aime bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais vous montrer vite fait. D'abord, pour commencer le dessin, j'ai fait un dessin hier. J'ai fait Renaud. Comme j'aime beaucoup ce chanteur-là. Il est du 14e arrondissement, je crois, Renaud, si je me souviens. Donc voilà, Mistral gagnant. Donc, j'ai fait Renaud, c'est tout, je crois, j'avais fait. Ah oui, j'ai fait une dame de la campagne, une jeune fille de la campagne. Donc voilà. Hop, je l'ai fait hier. C'est une jeune fille de la campagne, donc voilà que j'ai fait. Quand je montre les dessins, en général, je m'adresse surtout aux idées découvertes. Hein. Les idées plagiat, je m'en fiche un petit peu. Hein. Donc voilà, c'est. On va dire que je suis indifférent aux idées plagiat. Donc on va dire qu'elles font même pas partie du décor. Donc voilà. Donc quand je montre ou je dis des choses, c'est pour les idées découvertes en général. Donc voilà. Alors, pour les gens qui sont bien intentionnés, c'est ça que je veux dire. Donc, je vais parler des caricatures parce que certains font croire que j'ai fait une caricature, alors c'est pas une caricature. C'est un dessin sur Sœur Emmanuelle. C'est un dessin que j'ai fait à main levée, on va dire presque, quand j'ai commencé à faire le dessin, quand j'ai fait le premier portrait. Donc, je vais parler du nez en même temps. Alors, les idées, par exemple, une idée plagiat, elle va dire, c'est pour ça que je vais aborder la couleur aujourd'hui. La couleur, c'est. Bon, je vais pas me disperser, je vais déjà vous montrer déjà ça. Donc, ça, c'est une dame du. Enfin, une jeune fille de la campagne avec un oiseau que j'ai fait. Et là, c'est Renaud que j'ai fait. J'ai pas tout à fait terminé, c'est pas encore sec d'ailleurs. Il y a de la peinture qui s'est collée par-dessus. C'est pas encore sec, mais j'ai pas fini, c'est Renaud que j'ai fait. Comme j'aime beaucoup Renaud, donc j'aime bien. Voilà. Hop, je vous le remontre. Donc voilà, faudra que je le termine. Je ne l'ai pas terminé tout à fait. Donc oui, au lieu de dire, par exemple, un gros nez, eh ben on va dire, normalement on dit un nez pâté, par exemple. On dit un nez aquilin, par exemple, quand il naît. On dit pas un nez crochu, hein, donc voilà, ça n'existe pas, ça. Donc voilà, c'est les imbéciles qui disent ça. Encore imbécile, comme j'ai dit, c'est un bon terme. Donc voilà, on dit pas j'ai un nez crochu, hein, on dit j'ai un nez aquilin ou j'ai un nez comment on dit, je ne sais plus comment on dit, mais je l'ai noté de toute façon. Mais on dit pas normalement un nez crochu, ça se dit pas. Donc voilà, c'est comme si on disait t'as un gros nez. Donc voilà, ça se dit pas. Donc voilà. Ou soit faut le garder pour soi. Faut pas l'exposer et venir le dire en faire, on va dire, une sorte d'ironie, quoi.
d'une moquerie, c'est une moquerie, on va dire. C'est une sorte de moquerie. Même si on se moque de soi, ça peut virer sur d'autres choses. Donc voilà. Donc il suffit pas de. C'est pour ça que Gilles Deleuze, il dit. Je comprends maintenant pourquoi Gilles Deleuze. Plus j'avance dans mon œuvre et plus je comprends maintenant mieux que le génie. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, le fait de parler, ben, c'est sale, hein, parce que. L'étymologie de façon de écolalie, c'est ça. Écolalie, on dit, c'est ça. Ben, c'est excrément. Hein. Donc, parler, c'est sale. C'est pour ça qu'il disait ça. Écrire, c'est plus propre. Et je comprends maintenant pourquoi beaucoup d'écrivains, ils préfèrent écrire que parler. Donc voilà. Parce que c'est plus propre. Hein, donc voilà. Ouais, moi, ça me convient, de toute façon. Comme je suis pas un grand bavard, donc. Alors. Après, ça veut pas dire que vous parlez, que vous êtes bavard, que ce n'est pas bon. Donc voilà, il suffit de faire attention à ce que vous dites, c'est tout. Faut pas dire n'importe quoi quand vous parlez. Donc voilà, même s'il s'agit de vous. Donc après, pour les personnes qui sont pas dans un domaine de compréhension subtile, eh ben ils vont laisser passer ça, quoi. Donc voilà. Alors. C'est presque un peu de la méchanceté, quoi, on va dire. Ben oui, c'est encore autre chose, la méchanceté, mais c'est quand même une sorte de mépris. On va dire la moquerie, c'est quoi? La définition de la moquerie pour moi, c'est quoi? C'est, on va dire, critiquer en méprisant l'autre. Donc voilà. Critiquer tout en méprisant. Donc voilà. C'est pas une critique constructive. Alors je vous renvoie à ma première vidéo, un jeu mêlé de souffrance. Quand je disais qu'il faut que ça soit des paroles constructives. Des critiques constructives. Et non des moqueries. Critique et moquerie, c'est pas la même chose. Hein. Le concept kantien, c'est la critique. C'est pas la moquerie normalement. Bien qu'il ait fait des pages noires, bien sûr, ça c'est autre chose. C'est dans sa tête, donc voilà. Et son parcours, on va dire, personne ne la Kant. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vais donner la définition de moquerie. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Action, habitude de se moquer. Parce que ça devient une habitude après. Et c'est ce que je remarque, de toute façon, chez certaines personnes, que je ne citerai pas. Là, ça devient une habitude, quoi, en fait. Donc ça devient un vice, on va dire. Alors, est-ce qu'il dit la bruyère, c'est intéressant. Il dit la moquerie est souvent indigence d'esprit. Donc voilà, parce que vous pouvez être doué et avoir une certaine indigence, ça veut dire une mauvaise prise de conscience concernant. Concernant une prétention que les personnes ne vont pas se rendre compte de la subtilité des choses. Donc, par exemple. Donc, alors, il y a persiflage, plaisanterie, quolibet, raillerie, sarcasme. Oui, en fait, c'est la cour d'école, quoi. Donc, voilà. Bah, parce qu'il suffit pas d'être adulte, hein, comme j'ai dit. Vous pouvez être adulte et puis être un gosse dans votre tête. Donc, ou une gamine dans votre tête. Ça veut rien dire. Donc, voilà. D'où les cercles d'amis qu'il avait mis en place Gilles Deleuze. C'est pour ça qu'il fréquentait pas n'importe qui. Par exemple, c'est ce qu'il nous disait. Qu'il avait que certains groupes d'amis. Parce que le reste, il savait que c'était sans intérêt. Donc voilà, par exemple. Alors, je vais donner la définition de méchanceté. Méchanceté, c'est que. Ils disent. Qui ne vaut rien, donc voilà, ou pour une femme, hein, une fille, hein, donc voilà. Même quand rien, même si rien, c'est quelque chose encore, donc voilà. Caractère, un comportement d'une personne méchante, donc cruauté, dureté, malignité, malveillance, donc voilà. Indignité, noirceur, donc voilà. Rosserie, vacherie, saloperie, donc et crasse, donc voilà. Donc, ben oui, puisque je parle de moquerie aujourd'hui. Alors, ça ira pour aujourd'hui, les.
On va dire le verbiage, je sais même pas si ça se dit, donc voilà. Ça suffit pour aujourd'hui, pour l'instant. Donc, alors, patate. Donc, la couleur. Alors, patate. Alors, ce que j'ai mis. Gilles Deleuze nous dit à demi-mot qu'il aimerait avoir une approche du concept, par exemple, des artistes. Concernant la pomme. Je crois que c'est chez Van Gogh, je sais même plus, faudrait que je regarde, oui. Donc il parlait de la pomme, Gilles Deleuze, donc et la pomme faisait figure à la femme de Van Gogh, si je me souviens. Faudrait que je regarde la vidéo de Gilles Deleuze, je crois que c'était ça qu'il disait. En fait, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est en fait ce qu'il faut. Il faut faire attention quand vous abordez la couleur, par exemple. Donc voilà, parce que tout va dépendre comment elle va être interprétée. Donc noir, ça veut pas dire noirceur, par exemple. Donc voilà. Donc a priori, d'après ce qu'on veut nous faire croire. Donc voilà, entre côté sombre, côté clair. Donc voilà, parce que le côté clair peut être sombre et le côté noir peut être clair, par exemple, et vice versa. Donc c'est plus complexe que ça, hein, la couleur, donc voilà, chez les artistes par exemple. Alors, couleur patate, il dit. Alors moi j'en suis aux couleurs patates, hein, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent patate? Bon bah c'est une personne niaise et stupide, hein, bien sûr. Hein. Désolé hein, pour ceux qui se sentent visés, donc voilà. Alors, schéma de courbe, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Schéma de courbe, parce que je vise le dessin. Schéma de courbe, de forme courbe irrégulière, pour éviter qu'on lui attribue une forme géométrique particulière et fermée. Donc, c'est ce que je fais dans les dessins, parce que mes traits ne sont pas vraiment géométriques. Donc, mes dessins sont toujours, les courbes sont quand même irrégulières dans mes dessins. C'est ça qu'il appelle Deleuze la couleur, l'idée de la couleur patate. Donc, voilà. On va dire, mais c'est plus complexe que ça. Mais bon, je vais pas tout donner les infos parce que il y en a beaucoup qui viennent se servir, donc ils font leur commerce après pour vendre leurs livres. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est ça que je voulais dire. Après, tous les Belges ne sont pas. Ce que j'ai mis, c'est tous les Belges ne sont pas des patates, hein, bien sûr, hein, parce que patate, c'est une frite. Donc voilà. Donc tous les Belges ne sont pas des personnes niaises, hein, au contraire. Donc voilà. Alors, par exemple, patati patata, parce que moi je disais blabla, j'avais entendu déjà ça, quelqu'un disait patati patata. Le fait que de dire patati patata, c'est paraphraser blabla. L'onomatopée blabla. Donc on va dire c'est un genre de comportement patate. Donc voilà. Alors. Vous voyez, si on prête attention aux choses, ben. Il suffit pas de parler, donc voilà, ou de paraphraser ce que quelqu'un a dit pour réfléchir avant. Alors, ou utiliser quelques mots, mais pas utiliser constamment les mêmes mots. Donc voilà. Alors ce que je vais dire sur la moquerie, la définition de la moquerie. Hop, c'est bon, ça ira, ça. Hop. Alors, il est où mon. Hop. Alors, la définition de la moquerie, pour moi, c'est. Bon, critiquer avec mépris. Donc. Alors, ça permet à celui ou celle qui la pratique, la moquerie, de réparer l'estime de soi. Donc, voilà. Car l'amour de soi n'existe plus. Comme disait Rousseau, l'amour de soi, c'est. Ça n'a rien à voir avec l'estime de soi. Hein. L'amour de soi, c'est. C'est s'aimer soi, comme dirait Spinoza. Qu'alors l'estime de soi, ben, c'est l'orgueil. C'est la perte de l'estime, de l'amour de soi. Quand la personne rentre en société, comme dit Rousseau. Donc voilà. On va dire c'est une tentative de soigner ceux qui se moquent. Les gens qui se moquent. C'est une tentative de soigner leurs blessures en dévalorisant les autres. C'est une sorte de méchanceté sous-jacente, j'ai mis. Alors c'est une sorte de projection aussi. Donc voilà. C'est prêter attention aux sentiments individuels, par exemple.
sur un inconnu des sentiments. Donc lui attribuer des sentiments ou un faciès par exemple. Donc voilà. Comme dirait l'autre. Oui, parce que ce que je disais, c'est qu'on dit pas on dit pas un nez crochu, hein, donc voilà. On dit un nez aquilin déjà. Un nez Camus, on dit d'ailleurs. Donc d'ailleurs, moi je l'ai un petit peu le nez Camus. Mais moi je m'en fiche, quoi. Mais c'est juste pour faire comprendre les subtilités de la langue. Bien que je ne suis que c'est pas ma langue maternelle, le français. Donc voilà. Alors, oui, je nasille un peu du nez, ça c'est normal. Donc ça, chacun l'aura remarqué, je pense. Alors c'est ça que je voulais dire. Donc sur le nez, qu'est-ce que j'avais noté sur le nez? Oui, c'est tout quoi. Alors, attends. Ah, c'est le là, c'est ça. Donc, il y a 8 types de nez, par exemple. Donc, voilà. Alors, il y a le nez épaté, on dit pas le gros nez, par exemple. Voilà, pour ceux qui sont. Leur langue maternelle est le français. Donc, alors, on dit le nez épaté, on dit le nez droit au niveau des Grecs. Donc, voilà, ça vient des Grecs. On dit le nez busqué. Donc, voilà, on dit pas. Aussi, il y a le nez qui tombe, on dit aussi. Ça, je savais pas. Bon, le nez canard, ça, je sais, bien sûr. Le nez retroussé, ça, je le sais. Et bourbonnier, ça, je le sais. Donc, voilà. On dit le nez en bec d'aigle aussi. Donc, bon, c'est un peu quand même assez péjoratif. Donc, voilà. Pourquoi je parle du nez? Parce que c'est le nez, c'est le. C'est tout ce qui constitue le visage, en fait. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut pas rigoler avec ça. Donc voilà. Si je laisse les dessins, c'est que c'est jamais par hasard. Donc c'est toujours pour aborder à partir de mon concept une réflexion. Donc voilà. Couleur patate. Donc voilà, le noir. Qui n'est pas vraiment une couleur. Donc je me suis fait en noir. Donc voilà. Alors, c'est ça que je voulais dire. Alors je vais vous lire mon texte et puis ça ira. Pour aujourd'hui que je puisse me reposer un petit peu. Alors, une nourriture ne définit pas la valeur de l'aliment. Alors le poème, je vais l'intituler Patate. Alors une nourriture, je recommence. Une nourriture ne définit pas la valeur de l'aliment, mais plutôt questionne la personne. Par exemple, vous pouvez être une saloperie et manger des figues, par exemple. Comme d'être une bonne personne et manger du porc. Donc ça veut rien dire en fait quand vous mangez. C'est la personne en fait. On va dire l'objet n'est pas sa propre cause. Sa propre cause, c'est la personne qui utilise le mot, par exemple. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, parce qu'on peut, par exemple, manger du porc et que la personne soit une bonne personne, bien élevée, par exemple. Donc ça veut rien dire. Donc voilà. Ou manger de la charcuterie. Alors c'est comme parler, nous explique Gilles Deleuze, ça consiste à parler et tout dépend de celui qui fait usage. Car écrire, c'est plus propre. Donc voilà, c'est comme bredouiller, par exemple, comme moi je bredouille des fois, et souvent, ou faire trembler sa voix, c'est plus raisonnable que de se moquer de manière raffinée par des grossièretés, dignes de sa fierté, dignes de sa médiocrité, j'ai mis. Donc c'est comme le coton, il sert à penser et à penser. PENSER et PANSER. Car il ne peut être utilisé des deux côtés. Donc voilà. Cette tentative serait de prendre l'effet pour la cause, une manière adroite de colmater par un effet satiné un malaise au lieu de l'interroger. Ceci pour en cacher la vérité, a priori, j'ai mis concept, la notion kantienne, parce qu'il n'y a pas vraiment de vérité, donc il n'y a que des semi-vérités. A priori, ou la falsifier. Une image parlante serait l'arbre qui cache la forêt. Ça, tout le monde connaît ça. Ou le crustacé qui se loge dans des coquilles abandonnées. Donc l'artiste et le jardinier, parce que je mets l'artiste et le jardinier dans la même conception concernant l'éthique de vie.
Alors l'artiste et le jardinier ont chacun leur jardin. Ils savent tous les deux, de par leur pratique et spécialité artisanale et artistique, qu'un radis, selon sa grandeur, un radis haut, j'ai appelé ça, reste toujours un navet, bien que sa forme et sa courbure soient la plus parfaite et la plus droite. Donc voilà, c'est un texte que j'écrirai, c'est un poème en prose. Donc voilà. Donc ça, c'est, j'espère que ça vous a plu, c'était sur la moquerie. Donc voilà, fallait que j'en parle, puisque ça, on va dire que la toile, c'est une arène, un déversoir d'excréments, comme dirait l'écrivain que tout le monde connaît. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a un peu calmé, j'espère, pour ceux qui sont ou excités, je sais pas, pour les idées plagiat. Mais j'espère que ça vous a plu. Donc moi, ça m'a plu. À bientôt.